voudrais aussi, avant de continuer, vous demander de saluer un grand monsieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée pour les droits des femmes. Parce que nous n'avons pas conquis encore tous les droits. Nous sommes en train de nous battre pour avoir tous les droits. Donc c'est la journée des droits de la femme. Et je voudrais vous demander de saluer un grand homme. Un grand homme, un militant hors pair, un patriote, à la personne du professeur Abdramane Sangaré qui vient de prendre les rênes du FPI. C'est ça aussi le FPI. Le FPI, c'est un parti de combat. Nous ne sommes même pas encore arrivés au bout de la lutte. Et on veut faire des compromissions avec ceux qui sont au pouvoir. Nous disons non. Laurent Gbagbo ne nous a pas appris à faire des compromissions. Il nous a appris à faire des compromis. C'est très différent. Il y a une nuance. Et donc ceux qui veulent aller manger avec Ouattara, de bon vent, et ceux qui veulent continuer la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire, de Laurent Gbagbo et de tous ceux qui sont en prison, et pour le retour sécurisé des exilés, nous disons que nous sommes avec Abdramane Sangaré. Il faut restituer l'histoire. Il faut replacer les faits dans leur contexte historique. Abdramane Sangaré est celui-même qui a proposé au président Laurent Gbagbo de choisir Affi N'guessan comme premier ministre. Il faut le dire pour que tout le monde le sache. Aujourd'hui, les gens, ce qu'on appelle les affidés, insultent Abdramane Sangaré. Non. Abdramane Sangaré, en octobre 2000, quand le président Laurent Gbagbo a dit « Sangaré, on a gagné les élections, je te nomme Premier ministre », il a dit « Non, Monsieur le Président, vous ne me nommez pas Premier ministre, vous prenez Affi N'guessan, parce qu'il est plus jeune que nous, il est dynamique, il vient de nous faire gagner les élections, donc il faut le nommer comme Premier ministre. On ne me l'a pas raconté, j'étais témoin. » Et le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a nommé donc Affi N'guessan comme Premier ministre, à la demande de Abdramane Sangaré qui a sacrifié son poste au profit d'Affi N'guessan. Ça, il faut le dire, il faut que ça soit sûr de tout le monde.